Kelly ? Mademoiselle. Bonjour, voici matricule 94-941 qui sera votre invité. Au vu des circonstances, la garde des enfants a été attribuée à la mère, Madame Kelly. Monsieur, vous aurez l'autorisation de voir vos enfants à raison d'une après-midi par mois, et ce, sous la surveillance d'un tiers. Mais c'est n'importe quoi! Comment voulez-vous qu'elle s'en occupe? Y a qu'à voir à l'école, le grand. On l'emmerde, on le menace, on le raquette. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Y a besoin d'un homme dans cette maison. Il me semble que votre présence en tant qu'homme n'a pas placé les enfants dans des conditions de sécurité optimales dans cette maison. Bien au contraire. Maître Donovan, nous ne sommes pas là pour juger mon client, mais pour régler les modalités de séparation du couple. Et à ce titre, j'aimerais bien savoir comment Madame Kelly va faire pour seule régler l'intégralité des dépenses financières liées à la charge des enfants. C'est exact, Madame Juge. Elle a plus de boulot. C'est moi qui paye toutes les factures. Comment elle va élever les enfants? Où est-ce qu'elle va vivre? Dans un boui minable? Mais je garde la maison. Quoi? Mais je garde la maison. Les enfants y ont leurs habitudes et tous leurs amis habitent dans le coin. Ah oui? Et comment tu vas faire pour la payer? Compte pas sur moi pour te donner un centime de plus que qu'on m'oblige à te filer. En plus, je peux récupérer la moitié de la maison. Tu vas me devoir un paquet de fric. Ce que veut dire mon client, c'est qu'assumer toute seule l'intégralité des dépenses financières avec deux enfants à charge, aucun emploi et aucun revenu fixe, ça me paraît totalement impossible et inconcevable. Par contre, si Madame Kelly était prête à abandonner les poursuites contre mon client, je pense que ce dernier envisagerait éventuellement une participation financière. Madame Kelly, pouvez-vous m'assurer que vous pouvez subvenir aux besoins de vos enfants? Parce que sinon... Jamais je ne lui laisserai les enfants. Pas après ce qu'il nous a fait. J'y arriverai, Madame le juge. J'ai un peu d'argent de côté et... Je trouverai un moyen. Mademoiselle Kelly, voici les derniers documents à signer. Ils officialiseront définitivement votre participation au programme Maison. Ne vous inquiétez pas, tout est mis en œuvre afin d'assurer au mieux votre sécurité. Les barreaux de cette prison sont ce qui se fait de mieux en la matière. Afin de respecter votre vie privée, les caméras de surveillance filmeront uniquement les accès extérieurs de votre maison. 24 heures sur 24. Et bien sûr, on vous a parlé du numéro de téléphone d'urgence préenregistré dans votre téléphone afin de prévenir le centre pénitentiaire duquel vous dépendez. Oui, je suis au courant. Comme convenu, je passerai une fois par mois afin que nous fassions un point ensemble sur la situation. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à m'appeler si quelque chose ne va pas. Je n'hésiterai pas. Non mais Florent, tu plaisantes ou quoi? Je t'aime. Mais laissez-moi vous aider. Oh, merci, monsieur Legal. Oh, mais en plus, c'est tout à fait naturel. Vous savez, si vous avez besoin de quelque chose, surtout, n'hésitez pas, je suis juste à côté. Oui, merci, mais c'est que... Non mais c'est que rien. Je voulais proposer, ça me ferait tellement plaisir de vous aider. Voici matricule 94-941. Vous serez son hôte pour le temps qu'il lui reste à faire. C'est-à-dire 3 ans, 2 mois et 10 jours. Ne vous inquiétez pas, madame. Il fait son dur comme ça, mais il n'est pas méchant. Du calme, officier. Laissez notre homme s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je peux rien lui faire ici. J'ai fait du rangement.
Toutes les affaires de Théo sont au sous-sol. Il n'aura plus qu'à venir les chercher quand il le voudra. Eh ben ça, c'est une bonne chose. Depuis le temps que je te dis de les descendre, ces affaires. C'est vrai, quoi. Ça fait des mois que vous êtes divorcés. Il est toujours pas venu les chercher. Lolo ? Qu'est-ce qui se passe ? Florent, tu peux monter avec ta sœur, s'il te plaît ? Lolo, qu'est-ce qui va pas ? J'y arriverai pas. Facture, cette maison me coûte trop cher à entretenir. On ne pourra pas rester dedans. Et la garde des enfants va être remise en cause. Tu déconnes, elle est super cette maison. Les enfants s'y épanouissent, ils arrivent même à oublier le passé. Regarde comment ils jouent, comment ils rient. Même moi j'ai mes clés. Et je sais tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si c'est une question d'argent. Ah non, Véro. Tais-toi. C'est gentil. Tu es ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas déménager, je veux pas aller vivre chez papa. Non mais ça va pas, pourquoi tu dis ça? Jamais on ira vivre chez papa. C'est maman qui l'a dit, elle n'a pas de boulot et la maison coûte cher, on ne va pas pouvoir rester. T'inquiète pas, c'était dur dernièrement, mais je pense que maman a changé. Elle ne veut plus se laisser faire ni par papa, ni par personne d'autre. Monsieur Le Gall. Je suis sûre qu'elle va trouver une solution. Arrête de l'appeler comme ça, un jour je vais finir par l'appeler la Gall. Non, sérieusement, vous êtes gentils tous les deux. Mais je ne veux pas d'aide financière extérieure. Appelle ça de la fierté si tu veux, mais je dois prouver au juge, à Théo et à moi-même surtout, que je peux m'en sortir seule. Je n'ai plus qu'à me prostituer. Mais oui, c'est ça. Non mais, t'es folle, je déconne là. Mais non, t'as raison, prostitue-toi, mais pas comme tu le penses. Le programme Maison. Tu en as forcément entendu parler. Des citoyens qui accueillent chez eux des prisonniers pour désengorger les prisons. Prostitue-toi auprès du gouvernement. Offre ta maison comme lieu d'emprisonnement contre la certitude de la garder pour ta famille. Non mais t'es folle! Un détenu sous le même toit que mes enfants et moi? Mais oui, mais non, ta cave est immense. Il pourrait y aménager une cellule. Tu ne verrais pas le détenu de la journée. T'es folle. Pourquoi? Pour te proposer une solution à tes problèmes? Pour te permettre de continuer d'élever tes enfants dans un environnement sain? Un environnement sain? Avec un détenu incarcéré dans mon sous-sol? Justement. Ils verront où ça mène, les conneries. Ce sera un exemple à pas suivre. Vas-y, donne-moi une bonne raison de refuser. Parce que des bonnes d'accepter, j'en ai mille. Voici votre nouvelle chambre, 94-941. J'espère qu'elle vous plaira, on l'a aménagée exprès pour vous. Voilà, tout est prêt. Je suis sûre que vous ferez une très bonne route. En tout cas, vous n'aurez pas à regretter votre choix. Vous êtes maintenant une bonne citoyenne. Et le gouvernement fera tout ce qu'il peut pour venir en aide sur vos démarches financières, sociales. On sera là, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, parlez-en autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Un petit like sur Facebook ou un pouce bleu sur YouTube, c'est rapide à faire et ça nous aide à diffuser nos vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous payant un café ou plus via le site Tipeee.